C'est un nom d'artiste, c'est vrai qu'il était déjà passé au tribunal. Ouais. On peut t'inviter encore une troisième fois. Mais c'est qui était là, je n'étais pas là. Oui, c'est qui était là lors de ton premier tribunal. Ouais. Ils ne connaissent pas le nom de Franky DiCaprio. Le nom de Franky DiCaprio, à l'état civil, c'est quoi? Mon nom à l'état civil, c'est monsieur Soukey Franky Duc. Soukey Franky. Donc tu as trop de sous, quoi. Monsieur. Applaudissez pour les sous. Mettez des gagnants à l'aimer. Vraiment. Est-ce qu'il y a les didas de la salle? Salut les didas. On est là, on est là. Les didas de la côte, bien sûr. On est là, on est là. Est-ce qu'il y a les pétés dans la salle? Les pétés de Gagnois. Gagnois. Ah, ok. Francky DiCaprio, bien ça. Les pétés sont pas tôt aussi, hein. Ça tire. Ok, Francky. C'est nous. Avec le sang fatigué. Oui. Et tu es avec le coro Jagen Aboué. Oui. De l'autre côté de la station. C'est ça. Aujourd'hui, Jagen Aboué ne se porte pas trop bien. C'est vrai que ça va. J'aimerais savoir quelles sont vos relations aujourd'hui. Jagen Aboué. Est-ce que vous vous appelez? Vraiment, c'est. Ça fait mal pour quelqu'un qui a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Oui. Bon. Ça peut arriver à tout le monde. Mais Dieu est au contrôle. Dieu merci, ça va chez lui. Nos relations sont superbes. Quand il s'est arrivé, il y a bientôt 3 mois maintenant qu'il s'est arrivé, je l'ai eu une fois. Et j'ai appris qu'il a eu, une prise en charge. Voilà, donc j'étais tellement content. Bon, j'étais quand même soulagé parce que cotiser pour Jagen Aboué, sincèrement, ça faisait trop pitié. Mais Dieu s'est manifesté ici en Jaé, on est ensemble une fois. Parce que pourquoi j'ai posé cette question? C'est de la station que ton son a éclaté. Bien sûr. Voilà, et ton son a pris. Et le président Jagen Aboué a organisé, ou du moins c'est organisé, la dédicace de ton son fatigué. Uh-huh. La station, et Francky a refusé. Vous voulez qu'on organise la dédicace au palais? Tu voulais que Jagen Aboué organise la dédicace au palais de la culture. Mais c'est ce qui, David, oui. Je complète ta question, c'est ce qui a créé des trucs entre Franky DiCaprio et Jagen Aboué. Depuis un certain temps, le torchon brûle. Voilà. Les rapports ne sont plus comme avant. Donc on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On sait que ça va en vous, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis le vieux père s'est fâché contre toi. Bon. Nous sommes au tribunal. Eric Olomide, tu me connais, j'aime pas mentir. Vas-y frère, pêche. Jagen Aboué et moi, on était comme grand frère, petit frère. Depuis même qu'il était au Roland Garros. Moi je t'ai DJ ici au Shanghai. C'était mon vieux. De l'ordre de l'Ikoufa. Alors, t'es loin au bout de ça, là. Ok. Excusez-moi, démentir King de Mike, ok? Mais sincèrement, ce soir, il y a deux esprits. Et moi, je ne peux que me désigner comme les. Comment t'appelles? Tabon Beki, les médiateurs, ok? You know? Parce que je n'ai aucune position. Mais j'ai une position, c'est quoi? C'est de couper les canaux, you know? En ce soir, tout le monde.
En ce soir, j'aimerais une politique de... Vas-y. S'il vous plaît. C'est un homme qui parle français, un homme du loin. Ok. D'abord, vas-y, prêche, on n'a pas assez de temps. Francky DiCaprio, encore un coup de débordeau, s'il vous plaît. Regardez son nom, vous allez voir ça en film. Nous ne sommes pas au marché devant sa caméra résidentielle, c'est bon. D'abord, vas-y, demandez. On est réunis ce soir rien que pour Francky DiCaprio. Oui, vraiment. Et il y a mon ami DJ Rafael qui est là, il y a mon ami DJ Mince, il y a ma soeur Claire Bailly qui est là. Il y a tous mes éléments qui sont là. Mesdames et messieurs, parce que si vous mentez les esprits, c'est à cause de vous-même. Merde. Je ne peux pas se mentir. Apaiser les esprits, c'est apaiser l'esprit des deux artistes. Mais il ne faut pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, c'est la soirée de Francky DiCaprio. Écoutez sa version, ça va créer des notes. Vous comprenez? Vraiment. Voilà d'abord. Les esprits bas, bien sataniques, échappent tout. Merci, je vous remercie. Je vous remercie. La nation. Non. La nation. Ne défend personne. Non, on défend personne. Ne défend personne. Mais les esprits sataniques. Je vais pas me rendre là. Sinon, avant. Et oui. Ça a commencé. Il peut casser ça là-bas. Ça va aller, tu vas voir, doucement, à dessous déjà, Mario, ok. Donc, il y a du bois, moi je n'ai pas parlé d'ici, tu comprends? Il n'aura pas parlé d'ici. Le lèche et le master de la bête avec le problème, il n'aura pas parlé d'ici. Il va dire, tranquille, tu dis ce que tu as dit, et puis tu vas chez toi. Mais les grâces, ne fasse personne, mais tes juges à te lancer, et personne ne va te détruire. Lui a le destin de chacun à sa main. Dieu se le dit. Ok, merci, merci. C'est mon producteur qui a dit on ne peut appeler ça fatigué, ça fait plus classe. Maintenant, c'est Coleman Manager qui était au chorégraphe de Soumbi qui a transformé la danse de Johnny Mourousseur comme ça en comme ça. AVC, levé, AVC. Vous comprenez, non? C'est comme ça, fatigué. Mais avec beaucoup de jeunes prières. Il y a Jamie Nabroué et moi. J'ai plus pour tous les grands managers d'Abidjan et moi. J'ai mon producteur filmé dans Gandhi et moi. J'ai mon ami Miu Miu. Donc on va pas casser le CD de TV3. T'as pas cassé le CD de qui? TV3. Pourquoi? TV3 est venu me voir. TV3 est venu me voir en cabine. Il animait au dernier Qatar avec Mouloukoukou. Voilà, il parlait de TV3. Mouloukoukou est là. Mais TV3 est là. Hein. Il est venu me voir. Si TV3 est un homme qui respire, qui inspire, qui inspire, mais non, je viens, non. On va dire la vérité. Voilà. Moi, je suis direct. C'est mon problème. TV3 est venu me voir dans la cabine. TV3. Madame, attends, ce soir, attends. Le thème de la soirée. C'est un esprit de paix. Donc on vient avec un esprit de paix, famille. Ok. Télé-toi, il va dans la cabine. Il dit. Bonsoir, on dit dans qui chante ça. Ça m'a rappelé tout le monde. Moi, je ne suis pas chanteur. Moi, je suis en cabine, le groupe, en talent, je mixe. J'ai fini même en piste. Les stars de la cabine là, et quand 24h du matin, là, ils me laissent, ils vont au MG, ils vont au Bombastic là. Moi, j'étais là. Et mon hip hop, ma télé-toi, il est étonné. Il dit, mais Tanguy, on dit Tanguy chante moi ce soir. Il dit, oui, c'est bon, hein. Tu vois, je suis fatigué aussi, hein. Je mens. Prêche, vas-y. Non, réponds-moi. Hein. Est-ce que je mens? Bonsoir à toutes et à tous. Pardon, je vais le faire. Tanguy, avant de vous parler de grâce, je suis un enfant bien éduqué. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, patron. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, de toi, j'ai dit, n'es-tu pas venu me voir dans ma cabine, Francky, me disant, attends, je viens. Francky. Attends, je viens. Francky. Tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Apprends à reconnaître les choses telles qu'elles. Quand toi et moi, il y a eu l'émission à RDI Musique, où j'ai été interviewé, j'étais assis au Café Cacao. J'ai bien dit et j'ai bien précisé
que je ne suis pas créateur de la danse fatiguée. Je n'ai fait qu'animer la danse de Johnny. On ne peut pas dire Johnny le mousseur à la télévision. Il a dit Johnny le mousseur. Johnny est là, il sait. Johnny danse au dernier kata. Il n'y a pas 50, il n'y a même pas 20 mètres entre le dernier kata et la station. Et donc, s'il te plaît. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle? Johnny avait une chanson dans le temps? Il danse quelque chose. Il avait déjà son Johnny n'avait pas de chanson. Johnny dansait mon CD. Il peut aller danser dans les maquilles. C'est tout. Tu avais ton fatigué. Dans ça, Johnny a pu plus danser. Johnny, me voici. Tu peux oublier ton Johnny la vérité. Johnny est là aussi, après c'est Johnny. Johnny le mousseur. Il y avait Frankie, il y avait Nix, il y avait TV3, il y avait Kedjivara. C'est comme ça qu'on voyageait. Pendant près de 2 à 3 mois, on a beaucoup voyagé ensemble comme ça. Quand on est dans un coin, quand on est assis, je viens, je peux parler. Johnny rejoint ton salon, Johnny. Elle est colonie, je peux parler. Il ne s'agit pas de ça, dans une souris. Non, je vais laisser passer ton CD. Tu vas, laisse-moi parler, si je vais répondre. Laisse-moi parler, je vais répondre. Une minute. Quand on est au combat, il dit aux gens. Voilà, t'es toi. C'est lui qui a volé mon conseil fatigué là. Frankie DiCaprio, devant Dieu, devant la terre, tu peux le connaître que tu n'as pas cassé mon CD à la station. Devant deux fois ma cuisse, mon producteur, tu n'as pas cassé mon CD. C'est qui a envoyé les histoires entre Jagen Aboué et Charlie Patel. Charlie a osé dire à Jagen, au Carrefour ici, que je vais vous montrer que je suis champion des managers. Avec TV3. Tu te l'as pas dit ça? Parce que tu as cassé mon CD. Tu ne l'as pas fait? Est-ce que tout ça, c'est ma histoire? Je veux que Jagen Aboué soit là pour la petite. Je veux qu'il reconnaisse qu'il a cassé mon CD. Pourquoi je veux CD? Pourquoi je veux le CD? Lamine, quand tu m'as appelé, il m'a demandé, je suis une réponse. Je suis arrêté à côté, il n'y a pas de problème. Mais dans mon vous savez que le mal est toujours payé, non? Vous savez, c'est mon show. Vous savez, quand tu vois le mal, tu payes, non? Tu ne peux pas pousser. Si tu casses CD, j'ai eu plus de pouvoir. C'est pas un plan. Est-ce que le CD est cassé? Voilà, il n'a jamais cassé le CD. Pourquoi? Frankie dit qu'il n'a jamais cassé le CD. Oui. Attends, s'il te plaît, 2 minutes. Frankie dit qu'il n'a jamais cassé le CD de TV. TV3. Donc, conclusion, c'était un malentendu. Ou bien. C'est le combien de galères, hein? Rendez-vous au jugement dernier, on saura qui a commis cet acte-là. Merci à TV3, on va voir. Merci. Le CD n'a pas été cassé. Ok. J'aimerais préciser quelque chose. Hein? Vous savez, on fait notre truc, on peut dormir et puis on va se réveiller. Parce qu'il y a un mort qui est en haut et nous voit. Donc les deux là, TV3 est là, et donc à dire ce qui se passe. Et c'est moi ici là pour ça. Si vous venez pour ça aujourd'hui, parce que je suis le témoin de beaucoup de choses. Ça vous voit, t'as chanté trop de choses. Fatigué là. C'est venu comment? C'est venu d'une expression de Ramzi. Parce que quand je suis là, quand tu m'énerves, je dis pardon, bon que tu vois là, je suis fatigué. C'est comme ça que Mystique a mis ça dans le morceau. Mais à propos des Frankie qui cassaient les CD, même s'il a eu à casser les CD, ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Parce que Jagen Aboué, à la fin de la Issain, que quand Jagen Aboué est prêt pour un artiste, il peut mettre tout le monde en trou. Et puis ton artiste va mousser. Jagen Aboué a dit que Frankie est mon fils, il travaille ici. Il a fait sa promo, il est privilégié. Moi, Ramzi, ils ont failli me renvoyer à cause des mousseurs. Puis Sport, Jagen Aboué a donné un mot d'ordre à Romeo Zagadou, à Yuyu Toi Rouge, à Sia Popo, à Gérard Manadia, à Coleman. Si vous arrivez dans un coin, qu'on joue un autre morceau, vous cassez ça, on doit jouer pour Frankie seulement. Et Jagen Aboué, c'est le président de tous les managers de Côte d'Ivoire. Okay. Et c'est comme ça, Yuyu Toi Rouge est là, il sait. Yuyu Toi Rouge a cassé les CD. Oui, merci. De beaucoup d'artistes, à quoi les fatigués. Frankie. Et Frankie. Aujourd'hui, tu es le tribunal de Frankie. Moi, je sais. Et nous, nous sommes les artistes. On peut plus décaler. C'est mieux de se lire. Vraiment. Ah, je dis ça d'abord avant de poser cette question parce que Eric Romédi l'a dit tout à l'heure. Il y a trop d'esprit dans le bar. Merci. Le renvoi est là pour l'esprit de paix et toi également. Mais Frankie DiCaprio, on t'a vu sur le net. Est-ce qu'on peut écouter, s'il vous plaît? Oui. Tu développes ta part.
Tu dis quoi? Développe d'abord. Fais un peu l'historique. Actuellement, on n'a pas trop le temps. Et Colomine. 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 Tu veux que tu commences, je vais terminer, vas-y. Ok. Francky DiCaprio. Oui. Ok. Le point culminant de la soirée, c'est lequel? J'explique. La dernière fois au tribunal de Bédel, on t'a reçu ici. On a reçu Bédel. Tu as posé une question qui a créé un buzz. Tu as demandé à Bédel pourquoi on ne joue plus tes sons au New Ice. Bédel t'a répondu. Quand Bédel t'a répondu. Non, attends, René, s'il te plaît. C'est moi, j'ai le micro, s'il te plaît. Les gars, on écoute, c'est pardonné. On veut un esprit de paix, s'il te plaît, frère. Vas-y. Ok. Donc, tu as posé la question à Bédel, il t'a répondu. Tu as insisté. Parce que tu te sentais frustré du fait que tu partes dans les autres côtés qu'on joue pas. On joue des chansons et au New Ice, on ne te joue pas. Bédel t'a dit, il n'est pas dit jockey, il est le gérant de la discothèque. Et pendant que Bédel s'exprimait, Arafat s'est levé, il est arrivé sur la piste. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On ne veut pas créer les... Ici, même à l'industrie. Non, j'explique. On veut pas créer par là, pour faire. Je t'explique. Non, laisse-moi finir, Francky, s'il te plaît. Dis les choses. S'il te plaît. Arafat, parce que quand c'est fini, Arafat allait uriner derrière. Moi, je l'ai suivi. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il t'a parlé pour que tu puisses faire les vrais sons chez les artistes, chez les arrangeurs qui moussent. Pourquoi tu vas faire des chansons chez Kedje Vara et un artiste comme toi? Or, présentement, tu es à la recherche de cotes pour ne pas arranger par les arrangeurs qui ne sont pas des chanteurs. C'est ce qu'il a dit, qui a dégénéré. Et de Bordeaux a parlé, a fait des vraies voitures, tout ça. Bon, après ça, je l'ai eu au téléphone. Tu m'as dit que toi, Francky DiCaprio, t'as pas le problème avec Arafat. C'est ce qui de Bordeaux a dit qui t'a touché. J'ai dit, frère, Arafat m'a dit qu'il t'a parlé avec un esprit de paix. Pas pour te choquer. Tu dis toi-même, t'as rien contre lui. Ok, après ça, on apprend que ils ont tweeté sur la toile, sur Face. Francky DiCaprio, tu es fatigué. Va chanter, réveillez. Ils ont. Je viens. Va chanter, réveillez. On a appris. Chanter ça. On a appris encore. Moi, j'ai même écouté le son, un son d'Arafat qu'il a fait. Pour dire, Francky DiCaprio, tu es fatigué, va chanter, réveillez. Tu comprends? Tu n'étais pas le seul qui l'a clashé dans la chanson. Il a clashé Chanaka et tout. Tu as répondu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, Arafat a demandé d'être là parce qu'il n'est pas là pour les histoires. Il est là avec un esprit de paix. Vraiment. On est curieux de voir les Nigériens prendre un pas sur nous, frère ça. Donc on veut que vous puissiez vous réconcilier à travers ce tribunal. Non, laisse-moi finir. Parce que c'est ce tribunal qui a créé ça. Et c'est en ce même tribunal là que nous voulons régler les choses. Donc applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut que... J'ai posé une question à Bédel et les autres ont répondu. De Bordeaux, Arafat, ils se sont mis à l'aise devant tout le monde. Ils m'ont rendu S. Appelons les choses comme c'est. Vous-même, vous saviez. Et il y a le manager même des artistes qui m'ont fait vous dire « Ah, mais tu as fait quoi ?» Puis ils t'ont fait comme ça. Moi, je ne peux pas convaincre quelqu'un. Vous comprenez? Je n'ai pas trouvé avec un artiste. Mais quand tu dis que tu veux pousser ton ami ou même ton collègue à aller chez les trois arrangeurs, tu m'appelles dans les toilettes, tu connais pas mon numéro, tu m'as jamais appelé. Tu m'appelles dans les toilettes selon quelque part ou même dans une de nombreuses voitures. Et tu me dis c'est tranquillement, ah mon frère, il faut que tu ailles chez les trois arrangeurs et tout, n'est-ce pas? Voilà. Yes. Quand tu veux humilier quelqu'un, et puis quand tu veux donner le conseil à quelqu'un, c'est différent les amis. Vous êtes tous ici. Moi, Francky DiCaprio, on dit je suis gonflé, je fais le malin. Oui, je suis un poli, mais c'est qui a agressé ici verbalement une fois? Et j'ai cité quelqu'un un jour. J'ai dit tous les jours que j'ai un problème, je ne suis pas accessible du visage. C'est mon défaut, je suis un homme comme vous tous. Seulement c'est que mon métier, je chante. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas l'exemple du monde parce que je chante. Mais je n'ai pas le problème avec quelqu'un. Maintenant, quand vous me mettez soi, vous deux ici, tout le monde est là, l'autre amico. L'autre dit, mais quand tu chantes des fausses chansons, il faut chanter des chansons comme les Chebele, ma copine, ça a dit, wouh. Moi, c'est arrêté. L'autre dit, mais ah, mais il n'y a pas de talent. Parce que quand tu mousses, il faut maintenir ça par le talent. Ça, c'est conseillé.
L'autre dit encore que, ah, mais la voiture parle aussi. Ça, c'est un conseil. C'est comme un soir. Mais je n'ai rien dit. La partie qui m'a énervé, c'est quand ils ont commencé à parler des habits. Que l'on faut t'habiller, comme il dit, ah, ah, Bouga. Monsieur, monsieur. Maintenant, ça aussi, c'est pas grave, ça aussi, j'ai tapé l'œil. Quand je suis entré chez moi, mon ami Kérosène Boulevard DJ avec qui je suis tous les jours, dans la voiture, et il a vu, et l'a vu dans mon visage dans la voiture, j'ai pas dit un mot juste pour Rosier. Je n'ai pas dit ah. Le seul truc qui m'est sorti de la bouche, c'est que si ça m'est arrivé, c'est moi qui l'ai cherché. C'est tout ce qu'il a dit à Kérosène devant mon portail. Et j'ai enlevé mes lunettes. Il l'a vu. Vous savez, un ami, c'est pas celui qui suit les larmes de son ami, c'est celui qui fait en sorte que son ami ne pleure pas. Il l'a vu dans mes yeux comme un homme qui a été atteint dans son âme intérieure. Monsieur André. J'étais fâché comme du bodo. À la fin, non. Je suis habitué, on est habitué à ça, non? N'est-ce pas? Voilà. Du bodo, moi je l'aime trop. Américains sont Dieu. Il a pris ses du bodo. En Paris, en Italie, partout, partout. Eh, quel est l'allié? Qui est-ce qui a envoyé ses du bodo à Paris la première fois? C'est bon. Américains sont Dieu. Parce que DJ Jacob et Kalouji ont fait ça pour moi. Parce que quand j'étais DJ, j'accueillais bien les artistes, je respectais les vieux pères. Parce que je voulais être comme eux. Des bordeaux. Des bordeaux. Des bordeaux. Jusqu'à ce qu'on a dit à des bordeaux, viens puis deux jours après. Mais qu'est-ce qui t'a pris toi et puis tu parles de Francky comme ça? Toi, des bordeaux. Allez sur YouTube, vous allez taper des bordeaux, Francky DiCaprio qui est à Paris, vous allez voir. Les filles sont là, hein? Les filles sont là. On était comme. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas ce qui a pris des bordeaux. Des bordeaux, il dit à Kérosène, sincèrement, il ne sait pas ce qu'il a pris, mais non, pardon. Aussi chrétien, s'il vous plaît, on ne savait pas si les questions passent, s'il vous plaît. J'ai accepté. Non, je viens, Johnny. Non, attendez, je parle. Je parle. On me dit, mais ah, Joe, pas clasher d'un morceau là. On dit, Francky DiCaprio, un acte à gamme, c'est moi. Tu as chanté fatigué, fatigué. Tu es fatigué. Tu ne bouges plus pour chanter réveil, réveil. Ah, Joe. Les gars, mine de rien, c'est pas par rapport quand même, j'ai mon honneur quand même. Donc j'ai répondu. Comme un garçon qui répond à son âme. Et je dis ce que je pense. Et bon après. Et après on t'a vu sur le net avec un. Voilà. Après maintenant on a vu sur le net Sida. Avec Francky a Sida. Est-ce que Francky DiCaprio a Sida? Est-ce que c'est vrai? Attention. Qui a dit? C'est le Yann Robert qui a dit que Francky a Sida. Dans son sang, on dit le Sida. C'est seulement lui, j'ai eu peur. Hein. Mais est-ce que c'est vrai? Ah la vérité, c'est seulement j'ai eu peur. Hein. Mon cœur coupé au cou, il dit. Vas-y. Le truc là, on ne sait jamais. On sait jamais hein. Peut-être que c'est Dieu même qui a parlé, quoi. Hein. Quand il Gabriel, c'est sidé, il ne faut pas des médicaments de sida, sinon il dit, ah donc, j'ai répondu, comme j'ai dit, j'ai répondu. Est-ce que Francky a sida? Je pense sida ou. Parce qu'il y a des papiers sur le net. Francky a montré son papier, c'est écrit, bon, négatif. Le papier. Papier, Francky. Et il y a un autre papier qu'on a vu positif. Hein? Oui. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu sur le net. Voilà, là ça va. Nous sommes au tribunal. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Parce qu'on m'appelait encore. On me dit, ah, Joe, t'as pas vu. Je dis, ah, c'est juste là, je vais compter. Je ne connais même pas. Parce que ce discours est trop. On dit, Arafat a pris mon papier là. Il l'a mis positif. Et puis il a dit, voici le vrai test de Francky DiCaprio. Est-ce que Francky a son papier ici? Donc, j'en viens. Il y a le papier ici. Le papier ici, vous voulez pas le papier? Écoutez-moi bien, le papier que j'ai pris pour tout ce qui est. Il y a des docteurs dans la salle. Qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez pris? Ce coin.
son poids. Il est bon, il est bon. Freestyle, vous l'avez pas déterminé. Allez, on va envoyer le papier ici. C'est un gris négatif. Ok, voilà. Bon, il y a longtemps qu'il est là. Il va dire quelque chose parce qu'il est prêt à partir. Bonsoir. Bien. Il est déjà matin donc. Bonjour. Avant que je parle, permettez-moi de faire une seule chose. C'est rien, mais c'est que ça vous plaît. Si il ne fait pas ça, je ne peux pas parler. Je peux? C'est faible. Je peux? Permettez-moi d'allumer ma chaussure qui me coûte 10 000 euros. Voilà, c'est arrivé. Je peux parler maintenant? Vas-y, 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 vas-y. 5 minutes. Mais si vous causez, je peux parler. Si vous causez. Taisez-vous, écoutez l'artiste, il veut vous parler, s'il vous plaît. Je croyais que sur cette terre, il y avait des personnes qui avaient un cerveau. Mais apparemment, ces personnes n'ont pas de cerveau. Ça fait 8 ans que je suis au pouvoir. Et chaque année, c'est qui vous dansez d'abord avant les autres. Il y a un seul capitaine dans un bateau, il n'y a pas deux. C'est apprendre où aller. Mais je n'ai pas dit que je suis le plus fort dans le bateau. J'ai dit... Il y a un seul capitaine dans un bateau. Francky DiCaprio. Je n'ai pas jamais fatigué, fatigué. Tes trucs de fatigué, fatigué, c'était Johnny le mousseur, TV3. En tout cas, tous ceux, les mousseurs, tous ceux qui ont jamais fatigué, fatigué. Tu dis, je t'appelle pas. J'ai pas ton numéro, je t'appelle pas. Ton meilleur ami, c'est Kérosène. Aujourd'hui, j'ai un studio d'enregistrement. Kérosène est venu me voir. Hier, j'ai fait un son dans ton studio. Il dit, c'est 1 million. Ah, hier, c'est famille. Ok, à Badra. Tu peux le dire combien? Il dit, allez, Togo. Togo, c'est combien? 100 000. Tu as payé tes 100 000? Non. Tu as fait ton son, tu n'as pas fait ton son. Il m'a tragué pour qu'il chante, il n'est pas chanté. Parce que avant que je chante pour toi, faut me montrer aussi que des 1 million où il y a 10 millions, peut-être les à 100 000 là. Faut montrer que tu m'aimes un peu. Appelle-moi un peu. Vrai ou faux? Kérosène de son meilleur ami. Je passais dans ma voiture. Hein. On m'a même pas appelé. Hein. Je roulais ma voiture, on m'a pas appelé. Hein. Je passais, la police l'a arrêté. Pour un problème de vignette. Il est en train de causer les policiers. Le policier dit, il ne le laisse pas. Quand il est garé, ils ont dit, hey, Yoro, c'est comment? Attends, moi, Kérosène. Tu ne parles pas comme ça. Ouais, c'est un artiste aussi, tu comprends? Tu ne parles pas comme ça. C'est quoi le problème, vignette? Bon, laisse-moi gagner un temps. Il a donné 30 000 aux policiers. Il n'a jamais dit la somme et ils l'ont libéré. J'ai mal fait. Non! Pas mal fait. Francky DiCaprio. Où est-ce qu'on est là? Francky DiCaprio, c'est ça, c'est Francky DiCaprio. Donc, bon, ok, à cause de toi, il a appelé Francky. Francky, tu as moussé. Quand tu moussais, beaucoup de personnes ont vu tes défauts. Tout le moi seul, je me suis assis. Mais toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, tu étais à Paris. Non, attends, doucement. Ça a commencé devant moi. Et ça, à Paris, quand ma rapatrie était ici. Quand il s'est venu à Abidjan, Paris. Oh, vous allez là-bas pour voir dans ma maman là-bas, on a qui vous l'a donné. Ah, papa, c'est moi, on a qui vous l'a donné. Donc, voilà, donc, il a qui vous l'a donné. Quand il s'est venu à ça, je suis tombé si fatigué, fatigué. Je suis pas si fou. C'est d'être fini, je plus. Je t'ai regardé. Depuis, sans que tu saches, moi, je te regarde. Même, on n'a pas besoin de s'appeler.
Tu sais pourquoi j'aime ta tête? Parce que tu sais pas qu'il t'aime en fait. Ah ouais. La, voilà. La vérité sort ce soir. Hein. Il dit qu'il aime ta gueule. Il adore ta personne. Vous savez pourquoi moi il aime sa tête? Vas-y frère. C'est un joli garçon. Ah ouais. Là c'est bon. Il s'habille bien. Il est stylé. Mais c'est moi aujourd'hui qu'on voit comme le plus arrogant, le plus impoli. Mais lui il est plus que moi. Sans le savoir. Lui te dit pas même. Vous savez, autant de fatigué. Quand tu vois Frankie dans sa BM là, E36, c'est ça non? La même BM E36. Quand tu le vois là, quand tu le salues, oui, Moussa, pardon, quand tu le salues. Frère, ça, excuse-moi, salue-moi. Quand tu le salues, salue-moi. Enfin. C'est ce qu'il faisait. Ici à Bidja, tu peux tout faire. Tant que tu as mourou. Même si tu es Dieu, on va te donner Dieu. Yéma. Est-ce que c'est faux? Donc, ce qui attends, dit, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je ne suis pas arrivé là-bas. Hein. Voilà. Je souhaitais expliquer déjà le truc de ton test là. Tout le monde peut partir. Bon, madame, merci, dame, mais comme ici, un artiste.